Nous sommes dans le Shulchan Aruch, Siman, Gimel, Saïf Vav. וכן אסור לישון בין מזרח למערב עם אשתו אימו. ונכון להיזהר אפילו כשאין אשתו אימו. La manière dont on doit orienter le lit. Dans quel sens on doit poser son lit? Nord, sud, est, ouest. Même Sayyada Alachot. La source de ce din, elle est dans la Gemara, Brachot, et Amud Bet. Amar Ba Binyamin, Kol Yamai Yitim Tzta'er, Shitiyem Itati Netunam et Tzepon et Daron. Abba Binyamin, qui était un Tana, dit toute ma vie, j'ai peiné pour que mon lit soit entre le nord et le sud. Pourquoi il a besoin de peiner toute sa vie pour ça? Quel est le problème? Tu ne connais pas le sens? Regarde le soleil. Où il est le nord, où il est le sud. Mets ton lit comme ça. Toute sa vie, il a peiné. Peut-être parce que sa femme, elle ne voulait pas mettre la ranger la chambre comme ça. Si la fenêtre, elle est là, elle veut mettre là. Il faut peiner pour que la femme, elle accepte. Non, viens, on fait comme ça, c'est important. En plus, si la chambre, elle est en diagonale, le lit va être dans la diagonale, dans la chambre. Ça fait enlever la ronde. Parce qu'elle est pour ça, elle a peiné. Alcool panim, de là on voit que c'est à sourd de mettre son lit entre l'est et l'ouest. La raison, dit le Beth Yosef, c'est parce que la Shrina, elle se trouve au Maharav, elle se trouve à l'ouest. Et c'est pas Mechoubad qu'un homme dorme dans un lit. Alors, avec sa femme, sans sa femme, Machloket Rishonim. D'après Tosfot, c'est un interdit, il est que quand il est avec sa femme. D'après le Rambam, l'interdit, il est même quand il est sans sa femme. Pour ce qu'ils me disent, tout ce qu'on a dit quand c'est interdit, quand un homme il est seul, c'est seulement s'il dort nu. Et là, il y a un bizayon, il y a un manque de kavod pour la Shrina. La Shrina, elle se trouve à l'ouest. Il dort nu dans ce sens-là, alors c'est un manque de kavod, même s'il est couvert. D'autres n'ont pas fait de différence. Kolpanim le Shulchan Aruch, il est posek la halakha, que c'est assourd, que si un homme est marié, il dort avec sa femme, c'est assourd de mettre le lit entre l'est et l'ouest, il faut le mettre entre le nord et le sud. On m'aurait dit, il y a un salaire sur ça, celui qui met son lit entre le nord et le sud, il aura des garçons. Et c'est mieux des garçons que des filles. Et voilà, c'est l'année maragétiste. C'est un salaire. Regarde, quand tu dis Mazal Tov à quelqu'un, qu'est-ce que tu as eu? Une fille. Bon. Regarde comment il te dit. Et quand il est un garçon, comment il te dit? Il sourit. C'est comme ça. Hein? Comment on dit malheur à celui qui a que des filles? Et bonheur à celui qui a que des garçons? Qu'est-ce que tu dis? Le taram. Ah, le taram? Ah, les filles, ma. Il y a besoin d'un taram. On dit ça en plaisantant. Shlomo Zalman, Alav Shalom Auerbach, il priait d'avoir que des filles. Pourquoi? Parce qu'il disait, quand un homme, il a un garçon, il faut qu'il étudie la Torah, ça fait que s'il va réussir à devenir un grand Torah, ça fait que, t'as un enfant, il étudie le Talmud Torah, après tu le mets à l'Yeshiva, après il a Yetzerara. Hein, vous connaissez Yetzerara. Alors c'est pas sûr qu'il va réussir à devenir un Talmid Chacham, ça fait que. Aval, Achatan, tu peux le choisir. Tu peux choisir pour ta fille, hein, ta mitracham. Donc il priait d'avoir des filles, justement pour cette raison-là, que quand tu as des filles, tu peux choisir le Khatan, en général. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, c'est bien d'avoir des filles, mais la Gemara dit que les garçons, c'est mieux. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des garçons? La Gemara nous dit, tu mets le lit entre le nord et le sud. Ce soit là les chachamim, kvodach arabanim, chavod, mettez-vous là pour vous voir, ma anav, gam rabanim, gam anav. Top. Aval, le Zohar, il est cholek. Déjà, il faut dire, il faut savoir ce point-là. La machloket qu'on a dit, est-ce que c'est Davka s'il y a sa femme avec lui, ou même s'il n'y a pas sa femme avec lui, c'est un sourd de mettre le lit entre le nord et le sud?
comment c'est possible que le Shulchan Aruch, dans ce cas-là, il est possède comme le comme Tosfot? Regardez le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Ren asur lishon ben mizrach le ma'arav im ishto imo. Si sa femme elle est avec lui, c'est asur. Qui c'est qui dit que c'est interdit ici à sa femme? Tosfot. D'après le Rambam, même s'il n'est pas avec sa femme, c'est interdit. Même s'il est célibataire, il dort seul, c'est quand même interdit de dormir entre le Mizrach et le Ma'arav. Alors comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il est possèque comme Tosfot? Shulchan Aruch, il est sfaradi. Le Rambam, il est sfaradi. En plus, le Rambam, c'est Amoud Ahora'a, c'est le pilier de la Ahora'a. Après, on sait, on a dit déjà plusieurs fois, que le Shulchan Aruch, comment il tranche sa halakhot? Il a trois Amoud Ahora'a. Rosh, Rif et Rambam. Dans l'ordre, Rambam, Rif et Rosh. Donc, ces trois Amoudim-là, selon la majorité, il va. Tosfot, c'est un des trois Amoudim. Tosfot, c'est pas un des trois Amoudim. Alors, comment c'est possible que là, on a Tosfot contre Rambam, et le Shulchan Aruch, il est posé comme Tosfot? Il dit le Bet Yosef, le Minhag, c'est comme Tosfot. Le monde a été Noheg, tout le monde fait ce Minhag comme Tosfot. Que quoi? Que c'est seulement si on est avec sa femme qu'on ne peut pas mettre le lit entre Mizrach et Ma'arav. Sans sa femme, c'est Moutard. Pourquoi les gens font comme ça? Minhag comme Tosfot. Et comment ça se fait que le Minhag, il a été comme Tosfot? Pourquoi les gens ne ont pas fait le Minhag comme le Rambam? Il répond, ce Rambam-là, s'il était dans les halakhot qu'on connaît, halakhot fréquente de Mada à Hava, c'est les premières parties du Rambam. Ça, tout le monde les connaît, tout le monde les étudie. Là-bas, il y a l'halakhot d'Erod, il y a l'halakhot Tefila, il y a beaucoup d'halakhot là-bas qu'on utilise tous les jours. Alors, tout le monde aurait connu cette halakha du Rambam. Aval, cette halakha-là, elle n'est pas écrite dans les livres classiques du Rambam. Elle est écrite dans l'halakhot Bet HaBechira. L'halakhot Bet HaBechira, c'est l'halakhot, la halakhot du Bet HaMikdash. Il dit le Bet Yosef, la halakhot du Bet HaMikdash du Rambam, il y en a un ou deux dans la génération qui les étudie, c'est tout. Ça veut dire que les gens, personne ne connaît ce Rambam. C'est pour ça que le Minhag, tout le monde l'a fait comme Tosfot. Tosfot, tout le monde étudie Tosfot. Rambam, dans le Rambam Bet HaBechira, qu'est-ce qu'il étudie? Un ou deux dans la génération. Et en vérité, le Minhag, c'est un Minhag qui a été fait, mais pas de manière correcte. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié le Rambam. C'est pour ça que Shulchan Aruch dit que quelqu'un qui veut faire la halakha correctement, il est bon de suivre l'avis du Rambam, et même s'il dort seul, ne pas mettre le lit entre le nord et le sud. Avant tout ça, c'est pas très halakha lema, c'est pourquoi? Parce que le Zohar, il dit l'inverse. D'après le Zohar, il faut mettre le lit entre le Mizrach et le Ma'arav. Il ne faut pas mettre entre le nord et le sud. L'inverse de l'Agmara. Il faut mettre la tête au Ma'arav. La tête au Ma'arav, c'est la Shrina de ce côté-là. Et les pieds au Mizrach, c'est à l'est. Comme ça écrit le Ben Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et alors l'Étienne, il dit, tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Le Bavli dit comme ça. Le Zohar, il dit comme ça. Quoi que tu fasses, tu fais bien. Peut-être la Zgoula des garçons, on ne l'aura pas si on met le lit entre Mizrach et Ma'arav, parce que là, ça c'est Mefourash dans le Bavli. Aval, au niveau de l'interdit, mets le lit comme tu veux. Nord, sud, est, ouest, mets le lit comme tu veux. Mais il est bon de le mettre, quand même, selon le Zohar, entre le Mizrach et le Ma'arav, de mettre le lit de cette façon-là. Comme ça, dans la Chaboura, c'est écrit qu'il a entendu au nom du Rav Ovadia, Alav Shalom, qui disait que c'est bien d'être recherche la vie du Zohar, quand même. Maintenant, hein, il y a plusieurs séifim qui ne sont pas d'actualité. On va les lire quand même pour pas qu'ils manquent dans le cours. On va les lire, on va les expliquer rapidement, mais c'est pas aujourd'hui, ça n'existe pas. Ametil maim minatsofim bilifnim. Quelqu'un qui fait ses petits besoins, minatsofim, d'un endroit à Yerushalayim où il voit l'endroit du Bet HaMikdash. Il voit Araba, il y a des endroits comme ça à Yerushalayim, peut-être ça, oui, c'est d'actualité. Il est à côté de la yeshiva, de. Au côté, il y a plein d'ishivot là-bas. On voit un rabbaï de là-bas. Il y a des montagnes, Harat Sofim ça s'appelle. Il y a des montagnes de là-bas, on voit un rabbaï. Et il se trouve dans la rue, il a besoin de faire ses petits besoins. Il n'a pas le droit de se mettre en direction du Bet HaMikdash. Ça saoule. Lo yeshev panav klape kodesh. Et là, Ola Tsafon Ole Darom, il change de direction, Oyesalek à Kodesh les Tzadim, ou alors il se met en décalé du Bet HaMikdash, de telle sorte à ce que le Bet HaMikdash, Harabait, aujourd'hui on n'a pas le Bet HaMikdash, bientôt le Karor, que Harabait il soit
à sa droite ou à sa gauche, mais pas en face. Dans ce cas-là, ce sera permis. Alakha chet, kshenifna besade, imu achore agader, yifane miyad, ou babikra yitrahek, ad makom shelo yochal havero lirot piro. Cette alakha aussi, elle peut exister. Quelqu'un qui se trouve en camping ou des choses comme ça, il a besoin de faire ses besoins, il doit s'éloigner jusqu'à un endroit où personne ne peut voir un endroit où il se trouve, Piro'o. Piro'o, c'est l'endroit découvert. Très loin, même si on le voit qui fait ses besoins, c'est permis. Il est dans une plaine, dans une vallée, il est loin, loin, loin. On voit de haut, on voit qu'il est en train de faire ses besoins, mais on ne voit rien. Dans ce cas-là, c'est permis. Plus proche que ça, c'est un saut. Saïf tête. Lo yeshev bimehera ou behozek, ve lo yeshev bimehera ou termidai, ce lo yenatek, shina kamkashta. Ça aussi, pas vraiment la façon dont il faut faire ses besoins. Il ne faut pas rapidement, trop fort. Il peut, chas v'shalom, nuire à son corps. Saïf yud. Lo yekaneach beyad yemin. Ça, c'est une halakha qui existe aujourd'hui. C'est assourd de se nettoyer de la main droite. Beaucoup ne savent pas ça. On est des droitiers, la majorité. On utilise la main droite. C'est assourd de se nettoyer de la main droite. La source aussi, Brachot, Samerbet Amoud Aleph. Là-bas dans la Gemara, il y a plusieurs raisons. Pourquoi on ne peut pas utiliser la main droite pour se nettoyer? Première raison, Rava. Rava, il dit, parce que la Torah a été donnée par la main droite. Mimino Esh Dat Lam. Kadosh Baruch Hu Mimino, de sa droite, Esh Dat Lamo, le feu de la Torah est comparée au feu, il a donné à son peuple. Donc on voit que la Torah a été donnée par la main droite. La main droite, c'est une main importante. On ne peut pas faire avec cette main-là des choses qui ne sont pas propres. Deuxième raison, Rabba Bar Hana. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que la main droite, on l'utilise pour mettre des aliments dans la bouche. Elle est proche de la bouche. Si on a les mains sales, il se peut qu'à cause de ça, on mette dans la bouche des saletés. Alors il faut garder toujours sa main droite propre. Ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se nettoyer de la main droite. Troisième raison, c'est Rech Lakish. Il dit parce qu'on attache avec la main droite les tefillines. Puisqu'on attache avec la main droite les tefillines, donc la main droite a fait une action de Kdusha. Tu ne peux pas, avec cette même main, faire des choses qui ne sont pas de Kdusha. D'après cette raison-là, on a l'inverse dans le gaucher. Le gaucher, il attache les tefillines de la main gauche. D'après Rech Lakish, le gaucher, ce sera l'inverse. Le gaucher, de sa main gauche à lui, qui est sa main gauche à lui, c'est la droite de tout le monde, il pourra se nettoyer. Donc avec sa main droite à lui, il pourra se nettoyer. Avec sa main gauche à lui, il ne pourra pas se nettoyer. Le quatrième, Taram, c'est Rav Nachman Bar Yitzchak qui dit, c'est aussi Rabbi Akiva qui dit ça, parce que avec la main droite, on montre les termim au Baal Koré. Non, on montre les termim. Tu lui fais Zanka, Segol, Azla, Gerish. Avec quoi tu fais les termim? Avec la main droite. Ça aussi, si c'est un gaucher, c'est l'inverse. Donc d'après cette raison aussi, ça va dans l'autre sens. Même les raisons d'avant, qui met la main dans la bouche aussi, le gaucher, c'est l'inverse. Il n'y a qu'une seule raison qui fait que le gaucher, ça ne change pas, c'est la première. La Torah, elle a été donnée par la main droite. Que tu sois gaucher ou droitier, c'est la même chose. On ne parle pas de ta main à toi, on parle de la main de la Hachem. Donc ça ne change rien. Et que d'après cette raison, qu'il n'y a pas de nafkamina entre gaucher et droitier. D'après les autres quatre termes, ça change. Gaucher, droitier, ça change. C'est bon? On a répondu? Cinquième raison, c'est Rabbi Yoshua, Mipene Shekotev Ba. Parce qu'il écrit avec la main droite. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit vrai Torah. Histoire. Il écrit du vrai Torah. Puisqu'il écrit du vrai Torah avec la main droite elle est kadosh, tu ne peux pas faire avec ça des choses qui sont un manque de kdusha pour la main. Comme on a dit, celui qui est gaucher, ça s'inverse. Maintenant, quel est le dîne celui qui est gaucher que pour l'écriture? Il y a comme ça des gens. Ils sont gauchers, ils sont droitiers dans tout. Aval pour l'écriture, ils sont gauchers. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil. S'il est gaucher même que pour l'écriture, comme il y a un ta'am qui est l'écriture, et un autre âme qui est la Torah, alors deux termes, ça suffit pour dire qu'on ne fait pas de différence entre le gaucher comme ça et le gaucher comme ça. Bekitso, le gaucher, peu importe s'il est gaucher dans tout ce qu'il fait, ou gaucher dans l'écriture uniquement, dans ce cas-là,
ça s'inverse pour lui. Quel est le din de nettoyer des gouttes d'urine avec la main droite? Il s'est un peu sali. Ou il veut se nettoyer lui-même. Il a un peu d'urine sur son corps, quoi. Il veut se nettoyer avec la main droite. Est-ce que c'est la même chose pour les gdolim ou non? La lacha est que c'est mouta. Comme c'est les poskim ont écrit, que si c'est pour nettoyer des gouttes d'urine ou se nettoyer son pantalon, c'est mouta. Il y a une mitzvah, des chef-chef. On n'a pas ça aujourd'hui. À l'époque, ils n'avaient pas des toilettes comme nous, avec des cuvettes ou mesouda. Ils allaient dans un endroit, ils urinaient, et il y avait après des éclaboussements dans les en bas du pantalon. Il y avait des éclaboussements. Éclaboussage ? Éclaboussure ? Pourquoi tu dis éclaboussure ? Éclaboussure ? Comment il parle, Dieu ? Bref. C'est quoi le problème des éclaboussures ? C'est plus fascination en hébreu, je vous assure, il faut apprendre l'hébreu en beauté. C'est quoi le problème des éclaboussures? C'est quoi le problème? C'est un grand problème. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, il n'y a presque pas d'éclaboussures. De deux, on met des vêtements qui sont de couleur foncée. Mais à l'époque, ils avaient des vêtements de couleur claire. Les gens, ils s'habillaient en blanc à l'époque. Beaucoup. Si c'est pas en blanc, c'est couleur claire. Il est content, par exemple. Mais pas, c'est pas que des mekoubalim, c'est tout le monde. Le noir à l'époque, comme ça, ça sort de la Gemara, le noir, c'était un vêtement d'endeuillé. C'était une couleur d'endeuillé. Les endeuillés s'habillent en noir. Aujourd'hui, on est endeuillé sur le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a ? À l'époque, ils étaient tous avec des couleurs claires. Pourquoi tu t'habilles avec des couleurs foncées ? Alors, quand on s'habille avec des couleurs claires, et qu'en bas du pantalon, on voit des taches jaunes, ah, qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il a de l'urine sur son pantalon. Kanaï, il est gros de chauffra. Gros de chauffra, ça veut dire qu'il doit avoir un problème là-bas quand il urine, un problème qui fait qu'il n'a même pas le droit de se marier. Parce qu'il ne peut même pas avoir d'enfant. Alors, comment celui-là, on sait qu'il a 2-3 enfants ? D'où ils sont ces enfants ? Ah, Kanire, madame Zoroba. Ils vont dire, ces enfants, c'est des mamzerim. Pour pas qu'un homme vienne à ce qu'on dit sur ses enfants qui sont mamzerim, comment on va venir à dire ça? Regardez jusqu'où ça allait. Parce qu'il voyait sur son pantalon des gouttes d'urine. Et s'il y avait dans son pantalon des gouttes d'urine, c'est qu'il doit avoir un problème là-bas. S'il a un problème là-bas, il n'a pas le droit de se marier. Pourquoi il n'a pas le droit de se marier? Parce que quelqu'un qui a ce problème-là, il ne peut pas avoir d'enfants. Et lui, il a des enfants. Donc, ce n'est pas ses enfants. D'accord ? De peur qu'on en vienne à ça, il y a une mitzvah, la Gemara a dit, les chefs, mitzvah de nettoyer les gouttes d'urine qu'il y avait sur soi pour pas que les gens viennent à dire. Comme on a dit aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour dire une chose pareille, il faut être un tamid chacham déjà. Il faut savoir toutes ces halakhot. Qui sait tout ça aujourd'hui ? Donc même s'il a un vêtement blanc avec l'urine, personne ne va rien comprendre. Et en plus, on n'a même pas des vêtements blancs, on a des vêtements foncés, donc il n'y a pas cette halakha aujourd'hui. L'afkamina de tout ça, si quelqu'un y touche avec sa main droite l'urine, est-ce que c'est permis, s'interdit? Alakha, c'est permis. Est-ce que c'est mieux d'essuyer avec la main gauche? Non. Mikhatrila, c'est permis, kafarayim. Ce qu'ils ont dit, Khazal, ils ont dit. Bon, plus que ça, on ne peut pas rajouter. Ce qu'on peut rajouter, c'est nettoyer, par exemple, des saletés, des excréments, de Gdolim, qu'un enfant, il a fait, par exemple, on veut nettoyer un enfant. Ça, oui, c'est la même chose. On veut changer la couche. Avec quelle main tu nettoies l'enfant? La droite ou la gauche? On a fait attention, avec la gauche. Pareil, même si c'est pas sur soi. Ou alors, ça a été sali quelque part, il vient nettoyer, c'est sorti un peu de la couche, ou ça a sali le canapé ou quoi. Avec quelle main il nettoie? La droite ou la gauche? Là aussi, avec la gauche, c'est pareil. Si c'est la maman, pareil. Si c'est la maman, on va voir. Les femmes, ça... Pareil, il dit, le kafahaim, au nom du shla, le doigt... Comment il s'appelle celui-là en français? Majeur. Celui du milieu? Majeur. Okay. Le majeur, en hébreu, s'appelle Ama. Ama. Okay. La Ama, Goudal, Etba, Ama, Kemitsa, Zeret. Ça, c'est les noms des doigts en hébreu. La Ama, le majeur, celui-là, on attache sur lui les tefilines. Avec celui-là aussi, mais quand il va se nettoyer avec la main gauche, déjà, tu lui as enlevé la main droite. En plus, dans la main gauche, tu lui as laissé quelques côtes d'eau. Oui. Ceux-là, oui, je ne sais pas les noms, et le majeur, Assour. Pourquoi? Il dit le shla, tu attaches dessus les tefilim. Le pouce, l'index, le majeur, auxiliaire. Annulaire. Auriculaire. Après, on va dire, je suis amarré dessus, je ne sais pas les noms. Voilà, j'ai appris. Alors, on a dit le majeur, et aussi, il faut éviter de l'utiliser pour se nettoyer. Donc, la main gauche sans le majeur. D'après le Ben Ishraï,
une femme, vous avez demandé les femmes, c'est pareil ou c'est pas pareil? Après le Bénishraï, ça change rien. Femme, homme, c'est pareil. Tu ne vas pas dire parce qu'elles ne mettent pas les tefilines ou des choses comme ça. Il y a les autres raisons qui existent pour la femme. Bien qu'elles n'étudient pas la Torah, et bien qu'elles ne mettent pas les tefilines, quand bien même, ça reste les autres termes pour les femmes, comme ça, c'est la vie du Bénishraï. Le Chida, il est cholek. Le Chida, il dit non. Les femmes, on ne peut pas être marmire sur elles trop. Comme il y a deux termes en moins, on peut être mekel. Tout ça, c'est des rabbanan. Les femmes, elles peuvent être mekel. Surtout si on va rajouter les autres séifim qu'on va avoir dans la suite. Qui sont qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent faire une différence entre aujourd'hui et avant. Toutes ces halakhot là qu'on ne peut pas se nettoyer de la main gauche, de la main droite, du doigt, de la main gauche, c'était à l'époque, il n'y avait pas de rouleau de papier toilette, il n'y avait pas de lingette, il n'y avait pas ces choses-là. Comment ils se nettoyaient? Avec ce qu'ils trouvent. Et c'était très fréquent que les mains se salissaient. Alors, puisque c'était fréquent que les mains se salissaient, là, on interdit la main droite. Ah ben, aujourd'hui, qu'on a le papier, et c'est très rare, peut-être jamais même, que les mains se salissent directement, il n'y a plus cette halakha. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Avec des grands poskim, disent comme ça, Rabbi Zalman et d'autres poskim qui disent cette halakha-là, puis aujourd'hui, ne s'applique plus cette halakha. Donc, celui qui veut être mekel aujourd'hui, il a du mal. Il a du mal. Je sais que cette halakha-là, elle n'est pas facile. Il y a des gens, ils ont l'habitude. Après, il faut changer l'habitude. D'autant plus que si jamais ils en viennent à mal se nettoyer, dans ce cas-là, il ne faut pas du tout être mahmir de se nettoyer de la main gauche. Si quelqu'un ici qui se nettoie mieux de la droite et moins bien de la gauche, qu'il ne soit pas mahmir. Pourquoi? On a appris la semaine dernière que s'il reste quoi que ce soit de saleté, mâchez où, n'importe quelle quantité, la plus infime qu'elle soit, toutes les tefilotes qu'il a fait, il n'est pas acquitté. Toutes les brachotes qu'il a fait, il n'est pas acquitté de tout recommencer. Donc c'est grave d'avoir des saletés à cet endroit-là. Il faut faire attention de bien se nettoyer. Comme on dit la semaine dernière, le vrai nettoyage ne peut se faire qu'avec de l'eau, l'humidité. Donc, aujourd'hui, on a le papier toilette, c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur ces poskim-là qui disent qu'on peut se nettoyer avec la main droite en rajoutant la raison qui est celle de bien se nettoyer, mieux se nettoyer. Dans ce cas-là, on peut être mekel. Et voilà que les femmes, il ne faut pas être marmire dessus. On peut parler des hommes. Pardon ? Parler des hommes, on peut être mekel. Ok, même les hommes. Même les hommes. Celui qui est facile, c'est facile pour lui de. Il y a d'autres poskim qui interdisent. Si c'est facile pour lui, c'est, ou il s'est habitué depuis qu'il est barou, il s'est habitué au Hachem, alors qu'il continue. Mais alors, vous dites qu'il faut s'essuyer avec de l'eau, et après, vous dites qu'il faut s'essuyer avec la main, avec du papier. Genre, avec l'eau, ça s'applique aussi aujourd'hui? Bien sûr, on a dit. L'eau, c'est en plus que le papier. On ne fait pas avec du papier. Alors, si, le papier, et après, il faut faire avec de l'eau aussi. Le papier seul, ça ne nettoie jamais suffisamment. Et ça s'applique encore aujourd'hui, ou s'il reste une petite trace? Ça, ça ne change pas. Là aussi, il y a encore quelques séifim qui ne sont pas d'actualité. L'eau et kaner beheres, à l'époque, ils n'avaient pas de papier, ils se nettoyaient avec de l'argile, des morceaux d'argile. C'est assourd. Pourquoi? C'est à cause des kshafim. S'ils se nettoient avec du kheres, les sorciers, les sorcières peuvent avoir une emprise sur lui. C'était très fréquent la sorcellerie à l'époque. Alors, il faut éviter. Ni avec asavim yevishim, des herbes qui sont sèches. Jamais caner, bedavar, shahur, cholet, bo, china, vatartaniot, noshorot. Celui qui se nettoie avec quelque chose qui peut être brûlé, consumé par le feu, donc pas une pierre et des choses comme ça, alors ça entraîne des problèmes de santé. Aujourd'hui, on se nettoie avec du papier aussi, c'est consumable par le feu. Oui, parce qu'ils me disent que c'est différent. Vela, vitzon, shekiner, bochavero, mipine, shemivie, tadam, l'idée tartaniot, en avance. Yudbet. Yefane betzniut balayla kemo bayom. Il faut faire ses besoins betzniut la nuit comme le jour. C'est pas parce que c'est la nuit qu'il y a personne qui nous voit que pitom on peut se permettre de se découvrir plus. Non, la nuit comme le jour. Comme on a dit la semaine dernière, toute la grandeur et toutes les brachot et les goulot et la protection qu'un homme gagne par la tzniut quand il est tzanoua, qui se découvre le moins possible aux toilettes. Alors, ça s'applique aussi la nuit, même s'il est seul, même s'il n'y a personne, même si on ne voit rien. Yud Gimel lo yashtin me'umad. Mipnei tzatzot anitzazin al grav. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est, à l'époque, en tout cas, c'était interdit de faire ses besoins, ses petits besoins
debout à cause des gouttes qui vont éclabousser. Ça, on peut dire. Le verbe éclabousser. Le nom, mot commun. Qu'est-ce que ça s'appelle ? C'est un verbe éclabousser. Bon, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire sur vous ? On ne connaît pas le français. Semaine prochaine, je suis en hébreu. Qui fasse ses besoins de manière de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussure. Dans ce cas-là, c'est correct. Comme on a dit aujourd'hui, tout a changé. Yudalet. Ça aussi, il faut faire attention. C'est une halakha lemaase. On n'a pas le droit de toucher la ama, le membre de l'homme, avec la main, c'est un sou. Si ce n'est ma'atara ou le mata, une couronne. De la couronne vers l'extérieur. Là-bas, on peut. De l'intérieur, c'est un sou. Halakha lemaase, pour celui qui n'est pas marié. Celui qui est marié, c'est une machloket. C'est une machloket. Quelqu'un qui est marié. Est-ce qu'il peut ou pas? Machloket. Le Shulchan Aruch posek que même marié, comme il dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer à Gadol. C'est Rabbi Eliezer ben Hurkanus à la personne. Il dit Rabbi Eliezer, Nida Yud Gimel Amud Aleph. Tout celui qui est Ochez Bahama, tout celui qui touche son membre, Mevi Maboul La Olam. Il emmène le Maboul dans le monde. Alors, Ramim, là-bas, ils sont venus le voir, ils lui ont dit que Vodarav, si on urine, on fait ses besoins, il touche pas, il attrape pas. Alors, il y aura des éclaboussures sur lui. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ses enfants, c'est des mamzerim. Comment tu veux qu'on fasse Kvodaraf? On est obligé. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav? Il vaut mieux qu'ils disent, tous les gens qui disent sur lui que ses enfants, c'est des mamzerim, c'est pas ses enfants, que sa femme, elle fait des bêtises. C'est mieux ça que d'être appelé Racha devant Hachem un instant. Tellement c'est grave de toucher son membre. Pourquoi? Hachim explique là-bas, s'il touche, alors ça peut entraîner Chas v'Shalom Zera Levatala. Ça concerne la période dans laquelle on se trouve. On est dans la période de Shovavim. On a quelques semaines, Shovavim, jusqu'à Parashat Mishpatim, où on peut, avec l'aide d'Hachem, réparer tous les nyanim de Pgama Brit. Tout ce qui concerne le Brit. Que ce soit Zera Levatala, que ce soit la vue, que ce soit les pensées, tout ce qui concerne ces nyanim-là, on peut beaucoup, beaucoup facilement réparer pendant ces semaines-là. Pour nous, juste en s'efforçant à étudier la Torah. Celui qui veut, et c'est oui, faisable, à la Khalema, c'est Tarnit Dibour. Tarnit Dibour, au moins lundi, jeudi. Tarnit Dibour, c'est mieux, d'après certains, c'est mieux que Tarnit Achila. C'est mieux que Tarnit Achila, Tarnit Dibour. Pourquoi? Parce qu'il a la force pour étudier. Tani Tachila, il est faible. S'il ne mange pas, il est faible. Cette filote, il ne peut pas les faire bien, mes kavana. Il ne mange pas, musquet. Aval, s'il fait Tani Dibo, gam il gagne Tanit, gam la parole, c'est beaucoup plus important d'éviter de dire des paroles que d'éviter de rentrer du manger. Beaucoup plus grand. Il évite de sortir des paroles. Des paroles? Combien c'est mazik, alors? Avari, c'est vous, celui qui a compris quand il était là. Il a dit, il n'y a pas une chose plus grande au monde que de faire attention à sa parole, de faire attention à se taire. Il n'y a pas plus grand que ça au monde. C'est une Mishnah, moi, Pirkei Avot. L'homme a tzati kol yamai la gadalti ben hachachamim, et l'homme a tzati la gouf tov yotam la shtika. Toute ma vie, j'ai grandi avec les hachachamim, et je n'ai pas vu mieux comme Mida que le silence. Donc, Tani Dibour, là, pendant la période de Shavavim, va daït avoir la bracha. S'il ne peut pas toute la journée, pendant les Sdarim. S'il ne peut pas tous les jours, le lundi, jeudi. S'il ne peut pas tous les lundis, jeudi, au moins le lundi. Ce qu'on peut, c'est faisable. À Saint-Quentin. Donc pourquoi c'est tellement grave qu'il amène le Maboul dans le monde? Parce qu'il touche là-bas son membre. Et son membre, s'il le touche, il peut entraîner Zera Levatala. C'est très grave. Et c'est Rabbi Eliezer ben Hurkanus qui dit ça. Alors Nachon, les poskim. Là-bas, est-ce qu'on tient comme ça? Est-ce qu'on tient pas comme ça? Est-ce que c'est que marié, pas marié? Les machloquettes. Aval, Rabbeinu Ina, ça vient dans le Beit Yosef, il dit que puisque c'est un issur qui est grave, peut-être qu'il faut être mahmir. Même celui qui est marié, il doit être mahmir, et c'est ce que comporte ici le Shulchan Aruch,
à la fin qui dit midat hasidut afilu nizer afilu nasui, même s'il est marié, de faire attention. Mais ikaradin, s'il est marié, il peut toucher cet endroit-là. S'il n'est pas marié, on répète, c'est interdit de toucher dans tous les cas, si ce n'est le bout de, du membre. Hein? Dans la douche, comment il fait? Bonne question. Bonne question, comment il fait pour la douche? La réponse est que très rapidement. Très rapidement. Juste un passage. Ça, c'est moutin. Aval, c'est tout. C'est tout. Juste un passage. Donc ça, oui, c'est un lachan emasé. Il faut faire attention à ça. Saïf, tête, vav. Afinu ishe eno nasui, moutin le saïa bebeti. Tout ce qu'on a dit que celui qui est marié, c'est permis, c'est que s'il a besoin de faire ça pour faire ses besoins. Pour pas qu'il fasse sur lui. Mais juste pour se gratter ou des choses comme ça, ça pour lui aussi c'est assur. Même celui qui est marié, c'est assur. Yod Zain, Amashe Nekevav, Over Mishum Balteshaketsu. La halakha, qui est fréquente, celle de se retenir, il transgresse, bat et shaketsu. Où c'est écrit ça? Dans ma côte. Ah, un, une réponse. Ils ont tous vu ma côte. C'est ma côte d'Af. Yudzaïn. Là-bas, c'est écrit Ravahai. Ravahai, c'est lui qui dit ça. Il dit celui qui est Mashet Nekeva, il est ouvert, Mishum bat et shaketsu. Comme toute la halachot, là aussi, il y a la partie sod, le Ben Israël en parle. Bate Shaketsu, c'est un issur qui est très très grave. Rabbi Noari, il parle longuement de ça. C'est un inyan. C'est quoi Bate Shaketsu? Il faut sortir le psolet. Il y a dans le corps des déchets qui viennent de la nourriture. Dans la nourriture, il y a le ochel et le psolet. La bonne partie, elle vient pour le corps, la mauvaise partie, elle doit être rejetée. Elle représente quoi la mauvaise partie? Les déchets des aliments qui se trouvent dans le corps, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent les clipotes, ils représentent la touma. Tout celui qui garde ça en lui, alors il fait multiplier les forces de la touma dans son corps même. Donc il faut le plus rapidement possible évacuer toutes ces forces-là, et va-dai, pas se retenir quand on a besoin de les évacuer. Quand ça dit le Ben Israël. Chesed la Lafim, qui est l'arrière-grand-père du Chida, il dit au nom des Mekoubalim que celui qui va pas aux toilettes dès qu'il a besoin, celui qui se retient, il perd la pureté de la pensée. Taharat Amarshava. Il perd la pureté de la pensée. C'est dommage, faire attention. C'est le même inyan. D'après le Sod, comme il garde en lui des choses qui sont de la Touma, alors ça touche directement la pensée. Tout ce qu'on a dit, c'est s'il se retient pour les Gdolim, pour les grands besoins. S'il se retient pour les petits besoins, il transgresse un deuxième issou. Lequel? Lo yéaka, l'interdit de devenir stérile. La Noire a dit, celui qui se retient quand il a ses petits besoins, il se retient, chas v'shalam, ça peut entraîner la stérilité. Et ça, c'est un autre interdit de la Torah, lo yéaka. Ça sourd qu'un homme se rende stérile, c'est une sourde de temps. Donc, s'il se retient dans les ktanim, dans les petits besoins, il transgresse deux interdits. Balte shaketsu, et le yak. Ok. Et le permis de se retirer rapidement, c'est évidemment s'il a vraiment. On va parler du chiot. C'est une bonne question, on va parler du chiot. Peut-être on va parler tout de suite du chiot. C'est quoi la mesure? C'est quoi Balte Shaketsu? Combien ça s'appelle se retenir? Alors c'est une machloket. Le chiot, il est parsa. Selon certains, parsa, c'est quoi? 72 minutes. Le temps de marcher une parsa, c'est à peu près 4 km. En combien de temps un homme, il marche 4 km, marche normale? À peu près 72 minutes. Si un homme, c'est la personne, un homme et une femme séparés, il sait qu'il ne peut pas se retenir dans les 72 minutes qui viennent. Il peut se retenir 10 minutes, une demi-heure, une heure, mais au bout d'une heure, c'est fini, impossible. Même s'il peut tenir une heure, alors il transgresse Balte Shaketsu s'il se retient chaque minute. Pas chaque minute, chaque instant. Chaque instant où il se retient, et qu'il peut faire ses besoins, il a où faire ses besoins, il transgresse l'interdit
de Baal de Shaketsu. Ça, c'est selon un avis. Il y a un autre avis qui dit non. Non, dans ce cas-là, c'est permis de se retenir. À partir de quand ça devient interdit de se retenir? Quand le Koach Adochek, il est plus fort que le Koach à Marzik. Ça veut dire quand il sent que la force qui pousse vers le bas, elle est plus forte que la force qui retient. C'est-à-dire que s'il va aux toilettes sans se retenir, tout de suite il fait ses besoins. Petit besoin, grand besoin. Donc ça veut dire qu'il sent que ça va sortir, et il se retient. Là, il transgresse l'interdit de Baal Teshaketsu. Badek, c'est un laps de temps qui est beaucoup plus court. Il transgresse le laps de Baal Teshaketsu. Ça, c'est d'après tous les avis. Maintenant, ce issur-là de Baal Teshaketsu, il est repoussé Mipshum Kvod Abriyot. Ça veut dire quoi Kvod Abriyot? Maintenant, il est dans la rue. Il est dans un magasin. Il est en centre commercial. Oui. Et ça y est, il se retient. Il se retient un magasin. Après, il est parti chez Zara. Après, il est parti chez Zoro. Après, il est parti là. Après, il est parti là. Il s'est retenu, retenu, retenu. C'est dommage, ça va fermer. Et là, impossible. Il est arrivé au Baal Teshaketsu, les Koulam. Qu'est-ce qu'il fait? Entre les rayons? Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le vendeur. Il y a une toilette ici. Non, pas de toilette, c'est un canyon ici. Quelle toilette? Je crois que chaque magasin a une toilette. Les toilettes, c'est pour les vendeurs. Il y a les toilettes du canyon, du centre commercial. Du magasin aux toilettes du centre commercial, encore 3 minutes. Okay. Il peut se retenir, j'espère, pour lui. Aval, il transgresse chaque instant. Qu'est-ce qu'il doit faire celui-là? Kvod Abriyot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, non? Centre commercial. Bon, laisse tomber centre commercial. Il est dans la rue. Dans la rue, jusqu'à qu'il rentre dans un magasin, trouver des... Il peut se mettre dans un coin. Ça dépend. S'il y a Kvod Abriyot, ça veut dire que c'est des choses qui ne se font pas. Les gens, ils vont le voir. Ça ne se fait pas. Surtout aujourd'hui, à l'époque. Partout, n'importe où, dans la rue, en journée, devant tout le monde, les gens faisaient ses besoins. Les hommes, ils ont leurs besoins. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Pas que ça ne se fait pas, en plus, ils vont crier. Mais si tu es religieux, après là. Alors, ça s'appelle Kvod Abriyot. Mishum Kvod Abriyot, Gadol Kvod Abriyot, Shedoche Lo Ta'ase, Mina Torah. Kvod Abriyot, ça repousse un Lo Ta'ase de la Torah. Quelqu'un qui Mishum Kvod Abriyot pour la honte et la gêne qu'il a par rapport aux autres, ça repousse un interdit de la Torah, la Gemara dit. La Gemara demande, comment Shartnez? Quelqu'un qui a toujours lu du Shartnez. Tout d'un coup, il découvre, il a un costume Hugo Boss, plein de Shartnez là-bas. Il n'a pas donné à vérifier, il a sur lui. Sûr qu'il y a du chardonnay dedans. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui et là-bas il se déshabille? Non, Bachouk, en pleine rue. Il doit tout enlever. La veste, le pantalon, la veste ça va, le pantalon aussi il doit l'enlever. En pleine rue, c'est à la Khalema, c'est un bataille. Et si ses sous-vêtements ils sont en chardonnay, pareil. La même à la Khalema. En pleine rue. Pourquoi? De Horaïta. Ah, mais avec Kvod Abriyot. Il n'y a pas de chokhma. Devant Hachem, il n'y a pas de chokhmot. Tu ne vas pas commencer à dire des chokhmot. Ah, mais ça ne se fait pas, mais ce n'est pas correct, mais ce n'est pas si. Hachem, il a dit, la Torah, elle a dit, en chokhma. Ça te contredit. On répond, ce qu'on a dit, Kadol Kvod Abriyot, Shedoche Lo Ta'aseh Min HaTorah, Kavana Lo Ta'aseh De Divrehem, Lo Ta'aseh De Rabbanan. Que Chachamim, quand ils disent quelque chose, c'est comme si la Torah a dit quelque chose. Si c'est un issur des Rabbanan, là, le Kvod Abriyot, il repousse l'interdit. Et ici, Baal Teshaketsu, d'après beaucoup de poskim, c'est derrière banal. Donc c'est pour ça qu'on pourra se retenir, même si on est arrivé au bout, se retenir encore un peu pour trouver un endroit pudique pour faire ses besoins. Quand on fait besoin dans la rue, c'est pas Baal Teshaketsu? Encore une fois? Si j'ai besoin dans la rue. J'ai besoin dans la rue parce que... S'il fait ses besoins, c'est pas Baal Teshaketsu, il se libère. Non, mais c'est... il dégoûte les gens. Ah, il dégoûte. C'est vrai, c'est un problème. Attends, on ne fait pas ça dans la rue. C'est ce que j'ai dit, moi aussi, on est d'accord. Okay, on ne fait pas ça dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Non, parce que vous avez dit, il se met dans un coin. Dans un coin où il n'y a personne. Il n'y a personne. Après, une fois, les gens vont passer. C'est vrai, c'est pas cool. C'est un chien, il y a des pleins de chiens aujourd'hui. Ils font pire que Balte, je sais tout. À Paris, là, on n'a pas ici. Là, en France, on a l'Est. Top, ça c'est le chiot de Baal Teshaketsu, on termine. Pareil pour des bdikotrifouyot, des analyses médicales. Parfois il y a des analyses qui se font de telle façon où on donne à boire beaucoup à la personne, il doit se retenir, il y a une radio à faire, il doit boire beaucoup beaucoup de liquide, 4 litres, 5 litres parfois, de l'eau mélangée avec un produit pour faire une certaine radio. Il a envie d'aller aux toilettes, il ne peut pas aller aux toilettes, ils ne veulent pas les médecins.
tu lui dis halakha, tu vas commencer à faire une machloket maintenant à l'hôpital. Elama, c'est mouta. S'il y a une raison, c'est mouta. Elkout Yosef, il dit une halakha intéressante. Il parle de tzot achotem. Tzot achotem, c'est dans le nez. Il y a du... Ouais, comment on dit ça? Non. Ouais, pas beau ce mot-là. Il a de la lachout, il a du liquide dans le nez, il a besoin de se moucher. Okay? Il a besoin de se moucher. Lachnouna. Ça, c'est plus joli. Il a de lachnouna, misken. Il faut se moucher. Là aussi, il y a un passou qui dit... Il y a un possèque qui amène un passou qui dit qu'il y a aussi un interdit de mal de shaketsu. Quoi? Il ne faut pas garder dans le nez. Il faut sortir. Il amène le passouk. Nishmat, ruach, haim, be'apav. Il a la neshama dans son nez. Plein de hanouna. C'est le effet avec la neshama. Il faut vider son nez. Okay? Pas arrêter. À chaque fois, ça descend, il remonte. Il enlève, il enlève, il enlève. Dans la tfila, parfois, c'est la symphonie de Beethoven. Fais ce bruit. Prends un mouchoir, l'armoubi. Tu veux des mouchoirs? Achetez des mouchoirs. Mets dans la poche des mouchoirs. Sors. Non, parfois ça dérange les autres pendant la tfila. Celui-là, il fait là, l'autre, pitam l'autre, il fait hazan, pitam l'autre, il fait hazan. Chacun vient hazan avec son nez, ils font des bruits pendant la tfila. Ça dérange. Venez, ça dérange. Et là, il faut prendre des mouchoirs, il faut sortir. D'après ce post-là, c'est pas que pendant la tfila, c'est tout le temps. Vadaï, c'est un remez. C'est pas un issour de Malta Shaketsu. Vadaï, aval. C'est bien de craindre cet avis. Et on termine avec une halakha fréquente. Quelqu'un qui se trouve en plein Kriyat HaTorah, plein Kriyat HaHalel, plein Kriyat Megillah, et il sent qu'il a besoin. Maintenant, il sort. Pendant la Megillah, Misken, c'est fini. Il doit retourner, retrouver un minyan. Il faut tout refaire, la Megillah. Et il sent qu'il a besoin. Dans ce cas-là, où c'est, il ne peut pas perdre. Il est en plein HaHalel, plein Kriyat HaTorah, il ne peut pas perdre. Les poskim disent que s'il peut se retenir, même s'il ne peut pas se retenir 72 minutes, il ne peut pas se retenir 72 minutes, c'est permis de terminer le minyan. Kriyatatora, Megillah, Halel, qui termine, et après qu'il a eu toilette. Tout ça, c'est bien sûr dans un cas où il n'arrive pas à bout. Pas dans comme le deuxième avis. Le deuxième avis qui dit que si vraiment c'est, il doit se retenir très fort, dans ce cas-là, c'est un sourd, même en pleine Amida. Il va faire ses besoins, il fait Netilat Yadayim, il ne fait pas Shayetza, il fera Shayetza après l'Amida. Il revient à sa place, et il continue l'Amida où il s'est arrêté. Même en pleine Amida. S'il voit qu'il ne peut pas se retenir. Aval, s'il voit qu'il peut se retenir même moins de 72 minutes, il peut se retenir 10 minutes, il peut se retenir un quart d'heure. Qu'il attende que l'inyan passe. Tout ça, c'est quand c'est une mitzvah qui passe, comme on a dit, Megillah, Kriyat Torah. Aval, s'il est en train d'étudier la Torah, il étudie maintenant. Et qu'il sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes, et que c'est un besoin qu'il ne pourra pas tenir 72 minutes, il faut qu'il arrête d'étudier Miyad. Tout de suite, il arrête d'étudier. Et qu'il aille faire ses besoins et qu'il revienne. Il ne peut pas dire, ah mais je finis, ah mais encore un peu, ah non. Il doit s'arrêter, faire ses besoins, sauf dans un cas où ça va entraîner un grand bitoul Torah. Parfois on est dans le limoud tellement pris que on perd le fil, il faut tout recommencer. On rentre dans les fin fond des svarot, d'après celui-là, tous les khejbanot, on est presque à la fin là. Il faut encore 2-3 minutes. Et c'est bon, on a résolu le mystère. Dans ce cas-là, il va aux toilettes maintenant, il faut tout recommencer. Les maîtres, les postes qui me disent, il peut terminer le Inyan, c'est comme la Megillah, comme ces choses-là, où il peut terminer le Inyan. Même s'il est dans un shiur et qu'il va rater des choses. C'est pareil. Un shiur, c'est comme Kriyat HaTorah, c'est comme... C'est pareil pour le Magid shiur, celui qui donne le shiur aussi. Celui qui donne le shiur, celui qui lit la Torah, celui qui passe à rester en plein milieu. Tout ça, c'est pareil comme... On a dit que s'il peut se retenir même moins de 72 minutes, il peut. Non, est-ce qu'il doit arrêter là-dessus-là? S'il va être en retard après, il va, juste avant qu'on commence la vidéo du matin, il ne va pas être avec le calme d'Israël. Enfin, c'est pas grave, il n'a pas le droit de prier. On va apprendre ça, c'est beaucoup plus loin, c'est dans la chot fila. Dans la chot fila, on va apprendre, Bezrat Hashem, qu'on n'a pas le droit de commencer cette fila si on a le moindre sentiment qu'on a besoin de faire ses besoins. Ça sourd. Même si on peut se retenir plus que 72 minutes. Oui, vous savez, quelqu'un, il sent un petit peu. Il sent que dans 2-3 heures, il aura besoin. Bon, 2-3 heures, c'est beaucoup. Mais dans 2 heures, disons, 1 heure et demie, il aura besoin de faire ses petits besoins. Oui, on peut sentir ça à l'avance. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire ça à Tfila. Donc, je rique, l'homme, il rave alors vite. Il est déjà dans la Amida, il n'a pas besoin de s'arrêter.
À partir de quand il doit s'arrêter? Si, comme on a dit, il voit qu'il ne peut plus se retenir, tout de suite il s'arrête. Or, on en a une en a.